le feu, lui ? Pas du tout. Tu veux pas faire ça quand on sera à une base ? Rebonjour, je remets une petite heure de gameplay. Bienvenue à vous pour cette petite VOD d'une heure. J'ai couillé, évidemment. J'aurais dû pas. Est-ce qu'on peut maintenir ? Bon, trop tard. On est parti. Et donc là, il n'y a plus rien, quoi. Vous êtes où ? Pourquoi vous partez par là ? On va rentrer du truc. Là, venez là. Il y a de l'argent. De l'argent. Je sais pas trop où vous êtes donc. Attends. Ah. Oh. Ah oui, mid ball. Ouais, putain, en plus j'avais déjà trouvé. Attention. Là, je propose de retourner à Bel Air parce qu'apparemment on a une mission. Non, mais d'abord faut retourner par là l'autre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure déjà. En passant pour aller à Bel Air, on va retomber sur. Je suis morte. Et c'est pas là ? Mais je suis morte. Ah, mais c'est dommage. Bah, y en a un qui m'a fait péter un truc à la gueule là. Ah non, je l'ai pris aussi. Parce que tu te l'es fait péter à la gueule. Faut pas taper dans les bidons. Ah, j'avais pas vu. Moi, ouais, je suis pas mort. Mais putain. J'en ai marre d'être perdu. Retourne. C'est par là où est Tatsu. Il est pas mort. Oh, il est bugué, il est en position debout. Ah ouais, il est hanté. Allez, on retourne voir la fille là-bas. Je sais pas s'il y a vraiment une interaction avec elle. Faut traverser celui-là de studio. C'est vers moi. Wow, okay. L'âme chuchoteuse violette. Dafoc. Bam. Allez, mangez ça. Pof. Mutilé. Ah, les griffes, c'est un peu de la merde. Hein. Mais non, c'est encore une arme où j'ai pas le niveau. Flûte. Ok, c'est par là. Ah, il est qui a mis un putain de câble électrique ? Oh, d'ailleurs. Attendez, il y a votre pote là au fond. Oui ! Oh, il y a eu Kelly. Hein ? C'est Kelly. Mais où ? C'est Kelly ? Ah ouais, c'est le crieur, la hurleuse. Elle a Kelly Joe Long. Ok. Aïe. Alors, on fait moins le malin. Bien joué. On a ses clés. Ouais, elle a un flingue aussi. Elle est sans su. J'ai eu un mod. Wow. Merci. Oh merde. Sakel, okay, elle fait quoi? Ouais. Elle joue pas. Elle est dans les mods alors qu'on se fait attaquer. J'ai mes armes parce que je suis encore full. Oh, tu te débrouilles. C'est pas le moment. Allez, c'est quand le moment? Après les zombies. Voilà, merci. Alors, en général, après les zombies, soit vous partez en course, soit vous arrêtez qu'on fera. Bon, bah on va chercher la clé de l'autre grognasse. Oui, monsieur. Attendez, c'était où ? Pas par là. Il y a un fusible. Non, attendez. Ah, tout le monde s'est éparpillé n'importe où. Je suis là. Ah, mais ça fait. Désolé, mais ça fait. C'était la bonne. Ça fait genre, t'es grave lourd en fait, je comprends pas. On l'avait fait celui-là. Ah oui, il y a un établi là. Et moi, c'est détruire qu'il me faut. Les places, enfin, faut que je vende surtout en fait, pas détruire. Faut que je mette dans des casiers parce que c'est les armes que je garde. Attention, il y a des zombies apparemment. Des armes qui ont des noms. Ok.
Bon, moi j'ai défoncé la hache de feu là, parce que pour le coup. Ellie, je me demande s'il n'y avait pas vers les camions rouges, pas loin ou un truc comme ça. Non, pas là. Ah, oh, attendez, il est là le feu, je crois. Ah, là où je suis. Mais j'ai pas des trucs. Ouais, ouais. En fait, attendez, je comprends rien. Quoi, t'as besoin de quoi là où t'es? Oui, il y a le fusible vers t'es... toi, effectivement, oui. C'est toi qui as fait ça? Ah, parce que j'ai entendu il est là, le fusible. Personne n'a mis le fusible? J'ai pas de fusible. Ah, si, le dernier, moi. Ah. C'est mon dernier. Ah, là, attention, c'est... encore un! Il n'y a plus rien. Ah. Par Kizashi. Ah ouais, on voit qu'il... un katana j'ai ce coup-ci. J'ai eu un pic, enfin une pique. C'est pas mal j'ai ça. J'ai la copie conforme, j'ai double Wakizashi rose. Ouais, même, moi j'ai un katana. C'est un deux mains ce machin ou pas? À la limite, est-ce qu'on peut pas remplacer par la pique? Pourquoi elle est plus forte la pique? Ah bah parce que j'ai pas amélioré. Ah non, parce que ça fait plus de dégâts de base, c'est tout. Ah bah j'ai que 4 munitions là-dedans, c'est con ça. Attends, mais pourquoi j'ai deux armes? 3,96. 421. Ah, je sais pas. Ah, trop bien. Alors, est-ce qu'on essaie de retrouver la caravane de Kelly, déjà? Allez. Ah merde, c'est l'autre côté. Faut passer par le stage 3, du coup. C'était pas loin, de toute façon, c'était vraiment à côté. Je me perds à chaque fois, moi, c'est dommage. Je vois que c'est pas moi qui me perds à chaque fois. Putain, c'est une cata. Bah, Caroline Sanchez, on a quelqu'un d'autre, là. Bon. Elle a rien donné, cette connasse. Elle a rien donné, grave. Ouais, y'a du monde, bah, ça sert de porter annonce si elle donne rien. Bon, on a Kelly, de toute façon. Putain! Sous un coup. C'est ça ce truc. Moi c'est moi. Oh, et l'autre elle a rien donné, ça fout la mort quand il donne rien. Ah j'ai trouvé, elle est là. Qui? Oui, Kelly, c'était. Ouais mais c'est ce que je t'ai dit il y a 2 minutes qu'elle était là. Une épée d'officier d'adresse. Violet. Qu'on retraverse le studio 3 et on va. À Bel Air. Monarque Studio. Je me suis fait électrocutos. Attendez, il faut toujours aller par derrière l'autre avant d'aller à Bel Air. Oui, mais pour aller à Bel Air, on passe à côté, putain de merde. Oh, tu casses les couilles, hein. Il faut parler d'abord à l'autre grognasse. Je vais vous taper. Hey, tu peux mourir s'il te plaît? Merci. Oh, et bien l'épée d'officier elle va super vite! J'ai du plaisir là. Et où est Grognasse? Bah, il y a peut-être peur. Dedans. Comme je dis, c'est peut-être juste un texte de merde. Non, non, elle est dans la. Je suis là. Non, non, pas besoin, pas besoin. Crève, putain. Il y a encore l'interaction du début du chapitre. Alors qu'on fait moins les malins quand on a plus de jambes. Patate. Ça coupe bien. Chérie, ça a coupé. Oh flûte. Donc, fallait pas la kill. Bah si, la meuf elle est là, mais elle a dit qu'elle nous rejoignait derrière le fond vert. Donc soit c'est une safe zone, soit c'est du pipeau encore de scénario. Le fameux pipeau scénario. Putain, mais c'est un sprinter. Ah, je joue avec mon marteau de Jormungon dans For Honor. Pic. Ah, j'ai relancé For Honor d'ailleurs. On pourrait jouer avec mon frère, je pense. Ça lui ferait plaisir. On va se faire marcher dessus. Ça va nous faire rager, mais ça va être rigolo. Pourquoi que des jeux comme ça? Ultra compétitif. Mais on s'en fout. Il y a un mode histoire, il y a un mode arcade. J'ai plus de balles.
Si elle est pas derrière, c'est qu'elle est nulle part. Ah, mais on t'attend, en fait, pour y aller, il y a un... Ouais, c'est bon, c'est terminé, ça semble qu'elle était en gris. Ouais, ouais, c'est fini. Ah, tiens, elle est là, regarde. Ils sont là. Greetings, traveler. I'm pleased to report that we have safely regrouped. Yeah, no shit. Sebastian, don't get distracted. Running out there alone was incredibly stupid. Do not do that again. It was a necessary risk, Captain. I found enough parts that we can start fighting back against the body snatchers. This is not a debate. From now on, you do not leave this safe zone without me. Understood? But... Understood, Miss Shepherd. Elle était vraiment inquiète. Oh, magnifique. Oh, yes. I've set DD09 to B mode while I complete her repairs. The damaged pneumatics will continue to hiss out excess compressed gas until I replace the piston. The sound control had a short, causing her sensor to fire off randomly. But I believe I've managed to find a solution to her speaking out of turn. Oh, really? How did you figure it out? I unplugged the speakers. Oh, good. Good work, Sebastian. Attendez, moi j'ai récupéré mon épée de niveau 20 aussi de tout à l'heure. L'épée de ténacité. J'ai tout mis au casier pour le prochain passage, comme ça je fais le tri. Alors ça fait combien? Ça fait 512. C'est moins fort ça. Ah attends. Tuer un zombie donne un bonus d'agilité. Strictement rien à foutre, ça dégage. La santé est basse, donner un bonus. J'ai trop d'armes là. Moi j'ai plus ce qu'il faut pour améliorer. Faut démanteler tes anciennes. Ça sera moins emmerdé. Mais je les démantèle. Hein. Ok. Puis là, si tu récupères tes trucs. Ah bah voilà, double flamme. Ah bah j'ai encore un nouveau truc qui s'appelle contagion. Les attaques puissantes aux zombies qui portent un effet d'état transmettent l'effet aux zombies proches. Membre et... vitesse d'attaque. Par contre Peggy, pas très puissant comme arme. Oui, moi je l'ai gardé. 380 de dégâts, et si je la monte au niveau 20, elle est à 396. Ouais, mais quand tu mets une tête, tu fais plus 7000. Quoi. J'ai amélioré mon fusil d'assaut au niveau 20. Ça, c'est pas ouf, on verra plus tard. Ça, c'est peut-être pas. Mais gros, tu les touches, tu les triple shot, les gros. Ok. J'arrive. Ah merde, je vais peut-être réparer des armes. On va à Bel Air, c'est ça? Ouais. Oui. Et d'abord, faut parler à la meuf. Je vais vous mordre et vous allez vous transformer. Vous avez parlé à la meuf avant de partir ou pas? Joe le relou. Ah, il y a petits objets. Non, c'est à Beverly Hills, Calicat, c'est pas à Bel Air. Qui a dit Bel Air? Oui, il dit Bel Air. Bah, c'est toi depuis tout à l'heure. Bah, je pense que c'est celui qui dit qui est. Bah donc c'est toi. Ah merde. Oupsie. Bon. Ah oui, c'est à Beverly Hills, ce que je dis. Faut m'écouter quand je parle. Lol. Alors attendez. Quête, y'a rien. Il vend quoi l'autre con là-bas? Ok, la quête secondaire est tout en haut. Oh, il vend un fusil à canon pourbe violet. Ça s'appelle pas. Ah si. Ouais, y'a le marteau violet. J'en ai rien, moi. C'est une fraude ce type. 382. Le marteau il est top si jamais. Marteau improvisé d'hécatombe. 793. Ah, c'est pas le marteau à viande par contre, c'est dommage. Mais il a hécatombe dessus, de base.
chose que j'ai sur le mien. Ah non, même pas. Bulldozer, stabilité. J'ai racheté des fusibles. Ah ouais, faut que j'en achète. Ah bah moi je suis full en fait, on me laisse jamais les utiliser. Bah, on va te laisser faire. Une pistolet électrocution. Bon. Dégagez le pied de biche d'amorce électrocution. Dégagez le wakizashi. Je vais tout vendre là. Je vais réparer mon arme. J'ai double flamme sur ça. Qu'est-ce que je peux mettre sur ça? Enflammé, mais bon. Je crois que je vais mettre ça. Je vais dégager les griffes. Salut Roger, tu veux bien m'acheter mes griffes à 5000 balles? Merci. Moi je vous attends à l'entrée. Ah merde. Alors faudra me suivre parce que j'ai mis un point, j'ai mis un marqueur. Vas-y, deux marqueurs. Moi je vous attends juste à l'entrée. C'est bon ça qu'on est sorti. Ah bah ça qu'elle est déjà sortie, ok. Alors c'est par ici, c'est au nord à 100 mètres. Oh j'ai raté mon coup. Moi aussi. Il n'est pas tiré au bon endroit. Touché. Merde, double. Je peux récupérer mon arme? Merci. J'ai mis en mutilation l'épée d'officier. Je l'ai pas prise. Ça va être devant, là où il y a la trace de sang. Là. Un petit donjon là pour tester le lancer de javelot. Il y a quelque chose là-dedans? Ah, enfin cette maison, ça va être sympa ça. Le temps qu'on se posait la question de savoir ce que c'était. Comment on y va, Robin? Comme. Attends, il est pas arrivé, Robin. Je suis là. Merci, sac. Zone sans danger, elle est là, la madame. Francesca. Art corporel visionnaire. Oh là, les artistes. You look like someone well versed in matters of the grotesque. Well, yeah. I can see that you're begging to ask, so I'll tell you. Yes, I am an artiste, a sculptor of perceptions, of minds, of reality itself. Francesca. Ryan, I reveal fundamental truths about myself. Since the dawn of humankind, art has challenged us and elevated us. Now more than ever, it is art that will save us from our moral decay. You want to help save people, don't you? Yeah. Sure. Then go out and collect me infected flesh. You can rip it straight from any of those mindless conformists wandering around. Or perhaps you already have some to donate. When you've got enough, put it in that bucket there. Why the hell do you want a bunch of zombie meat? Oh. How can you be so obtuse? I'm creating my magnum opus, my masterwork. I am Michelangelo, and you must bring me the finest vein marble. Now, go! Okay. Okay, okay. Going. Nuttier than a fruitcake. déjà, non? Bah, je pense qu'on en a suffisamment. La muse de Francesca exige 10 morceaux de chair infectée. Ah, de la chair infectée, putain. Voilà, c'est fait. Je vais donner les 10 miens. C'est moi qui viens de sacrifier 10 morceaux. C'est moi. Ah, on a tous donné 10 morceaux. The sublime pain and sacred pleasure of new creative birth. Well, I've done my part. My god, we've barely begun. Voilà. I need rarer, more exquisite. Oh, putain, mais tu le connaisses. Bien sûr. I've heard of marvelous and monstrous beasts around the city. I must mold their fantastical corruption. Seriously? Mark this. My artistic flow is paramount. I'll place my requests on the board up there.
When you bring the matter, do not interrupt me. Just drop it in the bucket. And what am I getting out of this? We can trade for my aesthetic leftovers, but as I pass you the dregs of my creativity, consider what residue of your own will you discard. Don't answer. Just let that stew for a while. Alors, humérus démesuré, 5. Bon bah voilà. Hein. As dans la manche. J'ai une compétence. Récupérer 30 cartes. Il y a une porte à ouvrir aussi. Niveau 21. Well, this piece is emerging beautifully. Bah, elle donnait quoi cette classe ? Bah, je sais pas, j'ai filé ce qu'on avait les humérus, je lui ai donné comme ça c'est réglé. Ah, c'est des. Les trucs. Les compétences violettes à mettre. Attendez, mais elle parle à nouveau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais elle parle toute seule, elle marteau. Alors, on a eu sensu. Non, sensu, j'ai déjà eu. Onde de choc, contagion. Elle m'a fatigué, votre pote. De ouf. Quête secondaire. Onde de choc et contagion, c'est elle qui vient de nous le refiler ? Non, non. Art corporel, on a eu visionnaire. Vous avez récupéré de la chair infectée que l'artiste déjanté Francesca avait utilisée dans le chef-d'œuvre qu'elle est en train de concocter. Elle semble s'attendre à ce que vous collectiez d'autres morceaux de zombies pour elle. Alors, on a eu visionnaire et poids. Journal lié. Humérus, les écraseurs pullulent sur la place de Venise. Essayez de leur trancher un bras tant qu'ils sont en mouvement. Bah, art corporel, visionnaire et poids. Je vois pas où c'est, visionnaire et poids. C'est dans on quoi, est en train de regarder, détends-toi. Ah. On n'en sait pas plus que toi, donc calme-toi. Ça marche juste, ça donne de l'XP en fait. Sur un dos. Ouais, y'a rien. C'est de l'XP. En fait, c'est vraiment. Ouais. Mais je pense que ça vaut quand même le coup à la fin. Bah, on est level up quoi, quand même. Ouais, porte verrouillée. Ah oui, attendez, vous avez eu une compétence. Encore une compétence de tueur. Toucher la tête avec un lancer d'arme déclenche une puissante explosion. Aïe, c'est marqué. Ah putain, avec les shurikens, ça peut être trop bien. Attendez, mais. Mon acier qui était planqué là. Autophage palier 1. Parce que là, on a toujours pas fait les trucs d'autophage. Hein. Un peu, ça fait jamais de mal. Tuer des zombies donne un modus de force. Augmentation. C'était quoi l'autophage là? Parce qu'on a raté le mécanique de jeu, j'ai l'impression. Ok, super. Autophage? C'était juste une carte de compétence? Non. Ah, autophage palier 1, ça peut faire mal. Tuer des zombies donne des dégâts de. Ah, c'est une. Attends, compétence d'autophage. Toucher des zombies avec des attaques ou des lancers d'armes fait monter la colère sanguinaire, mais attention, la jauge de colère sanguinaire. Compétence d'autophage. Je sais plus où c'est, compétence d'autophage. Alors, en haut à droite, dans aptitude, c'est l'avant-dernier carré là qui te reste. Là où normalement non, t'as coup de sang. Tous les trucs. Ça remplace coup de sang. Non, moi j'ai bagarre de rue. Ah, c'est bagarre de rue. Ah non, t'as raison. Autophage palier 1. Toutes les cartes que t'as, si tu mets compétence d'autophage, ça la fait monter, c'est pas un truc à récupérer. Maintenant, tuer des zombies donne un bonus de force. Augmentation mineure de la colère. Augmentation mineure de la durée de la colère sanguinaire. En colère sanguinaire, tuer des zombies rend un montant mineur de colère, réduit la résistance. Alors, on est plus sensible aux éléments, mais on a plein de bonus. C'est la quatrième carte dans l'aptitude, sac. Comment c'est, à quel palier on est? Bah, c'est palier 1, parce que t'as un truc de compétence, c'est marqué en bas à droite. Mais tu fais triangle, tu fais. Non, ça monte pas, parce qu'on l'a depuis tout à l'heure. Ah oui. Non, mais regarde, il y a palier 2 et palier 3. Ouais, mais il faut d'autres compétences, palier 2, palier 3, de cartes à mettre. Non, c'est parce que depuis tout à l'heure, en fait, je pense, on avait pas de compétences qu'il. Non, je jure de mon coup. Dans compétences, si t'enlèves la carte, t'es palier 0, mec. Oui, oui. Moi, j'étais palier 0. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est du genre. Je vais poser la question de savoir si tu l'utilisais, la compétence. Non, c'est un truc qui reste con. Tout le temps. Alors, attendez, quête. Parce que là, pour le coup, elle a plus rien pour nous, elle. Donc on va pouvoir retourner ici, c'est où? Mais il y a sa baraque et on peut. Attendez, il y a une caisse de pompiers là-dedans. Attends.
En fait, on est vraiment trop con. Hein. Je vais taper un zombie sans faire exprès. Oui, j'ai éteint. Je suis jeteuse. Ah, il vous a rappelé qu'on a la grenade de pompier. Un pont bleu. Plus loin. Oh, je suis bugué, non. Ouais, il y a des contaminés dans moi aussi. Non. Ah, c'est bon. J'ai réutilisé mon truc sans faire exprès. J'ai mon bonus, c'est pas grave. Oh, bien joué. Faut qu'on retrouve un voyage rapide. Déjà. Bah là, il faut qu'on retourne à Venise maintenant qu'on a fini les missions secondaires. Et pourquoi on était à Belleville? Ah oui, parce qu'on lui a tout fait déjà. Donc. Ouais. Oh, bon, on se casse, hein. Exactement. Pour se barrer, on a un voyage rapide. Alors, si on va au nord, c'est à Bel Air. Dès qu'on regarde si on peut atteindre l'arrière de sa maison à elle quand même. Non, il y a rien. Je suis sûr qu'en montant par là. Non, c'est en finissant ses missions, c'est la logique. Il y a un écraseur. On a pas fini ses missions ? Bah non. Enfin, si là maintenant, après il y en aura d'autres. Ok. Coupe le bras, coupe le bras. Non, regardez, je vais super vite. Attends, on est sur un écraseur. Fuck. Sous un coup, il a 180 mètres. 200, 300. Regardez, je suis en bas. J'ai glitché sous la map. Ah, bah t'es mort. Comment t'as fait? J'ai juste vu ton compteur. Ouais, t'es à 600 mètres de nous maintenant. Attends, on a une idée. J'ai une idée. On va se dépêcher. Ouais, la TP. Ça, qu'il faut rejoindre le TP vite. Oh, t'inquiète, je pense qu'il peut tomber longtemps. Hein. Bah, de toute façon. Ouais, mais je vais éviter de crasher la partie en fait. Moi j'aimerais jouer. J'arrive, je me dépêche. Ça s'assemblit de plus en plus. Je cours. Je suis à la map. Beverly Hills, il y a encore une quête disponible. On pourra pas y aller. Bon, on va à Venise, c'est si, pas grave. Tu peux forcer la TP. Ah, oh, si ça marche. Oh, let's go. Yes. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es tombé? La... En fait, quand tu appuies sur A et que tu te déplaces en même temps et que tu spam A, en fait, tu vas faire des super jumps et en fait, tu passes à travers l'escalier en fait. Ah, et là, c'est la merde. Bah ouais. Et là, c'est le drame. Pas trop essayer quoi. En fait, je sais pas pourquoi. Ne faites pas ça chez vous. Ça va aussi vite. T'as dit qu'il y avait quoi? Il y avait de nouvelles quêtes secondaires quelque part? Oui, au même endroit, mais j'étais obligé de déglitcher Cédric, c'était le plus important. Bah venez, on reglitch. Hein. Ouais, on retourne. Hein. En fait, c'est marqué Beverly Hills, une quête disponible. Qu'on retourne là-bas, on y va la nuit peut-être pour voir ce coup-ci. Un peu, hein. Je vais voir si ça marche, le sorte de jump super dash. Là. Ce glitcher de fou, le gars. Non, mais j'allais super vite hein, genre, en faisant ce jump bizarre. Là. Mais c'est pas parce que t'as de l'agilité que ton personnage est comme ça? Ouais, non, mais là c'était excessif là. Là t'étais en train de glitcher quoi. T'es un ouais tricheur. Non mais ça, en fait ça m'a fait tellement aller vite que je suis tout de suite que tu veux fait. Tricher hein. Tout à fait. Un poil lui. Oh, marteau un improvisé des cartons, fusil de chasse et fusil à pompe, c'est sympa. Ah il vend des armes violettes. Ouais. Ok, et ben il faut retourner voir l'autre parce qu'elle a bien une mission qui se met à jour. Attends, bouge pas. Tac. Attends, je
Je vais essayer de refaire le move là que j'ai fait, c'était chaud. Moi je spam le saut mais ça fait rien. Qu'est-ce qu'il y a, sac? Alors c'était bugué. Oh, y a un hurleur devant l'entrée. Et du coup vous avez un hurleur tout près. Oh, bâton de beau bleu, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir en violet. Eh ben, tu l'as tué seul, on n'a pas d'objet. Pas grand chose, je pourrais. Non, mais il n'y a pas toujours des objets, Doudou. Hein. Ah, je croyais que tu avais un objet que tu disais qu'on avait. Bon, allez, en avant. Hein. Moi, j'ai un bâton de beau, c'est un truc débile. Attendez, l'inventaire, parce que moi, je suis le seul connard à prendre la bombe chimique, on s'en fout. Cocktail Molotov, c'est Sakiel. La bombe électrique, c'est Suzaku. Moi, je vais prendre la bombe tuyau classique et toujours le caustique, et ce sera très bien. Eh ben, en avant. Vous êtes sorti par là, attendez, j'arrive. Ouais. J'ai quelques zombards au passage. Oui, vous m'attendez pas du tout. Bah, je suis Cédric. Je me tape. C'est bon, on est là. Petit coyote qui hurle dans le coin, t'es. Alors. Ça a bougé, hein. Alors. Attendez, hein. Il faut mettre des ishor machin. Attendez. Ah, mais super. Quête. Francesca et son seau ne s'arrêtent pas tant que le chef d'œuvre ne sera pas terminé. Cette fois-ci, l'ishore stonien doit être ajouté au reste à Beverly Hills. Quand t'as ajouté, hein, machin, ok. C'est fait. Mais c'est un marchand, l'autre connasse. Mais non. Oui. Si, si. Bah là, j'ai mis un objet dedans. C'est un marchand. Ok. C'est un marchand, la meuf. Oh, il y a plein de plans. Ouais. Utilisateur à distance. Baseball le vampire. C'est le genre des fusibles sanguinaire. Aussi, si vous avez un peu de thune. Pas de baseball d'adresse, mais c'est surtout la clé mort, bordel, la clé mort. Pas de clé mort, moi. Clé mort violette. Ok, sanguinaire. De violence en plus. Bonus de dégâts. Chargeur rapide. Eh ben écoutez, on va regarder. Ah, on peut faire ça à distance, c'est cool. Ah, mais c'est deux électriques. Prendre ça. Oh, vous êtes là. Utilateur. Ah, les marteaux, votre pote, non? Ouais. Un petit peu. Sanguinaire. Ah, une larve et je pourrais faire sanguinaire. Tuer des zombies donne un bonus de dégâts modérés et génère de la colère. Ne viens pas avec ton aura négative, ça va pas bien, non? Je vais garder mes armes comme ça, hein. Je vais pas trop m'emmerder. Ok, ok. Ta gueule, l'artiste. Il fallait faire quoi, en fait, avec elle? Bah, c'est fait. Je viens de le dire, j'ai fait la mission secondaire. J'ai pris le papier et les objets, on les avait déjà. On retourne encore où on était. Et cette fois-ci, on peut retourner à Venice Beach. À Biatch. De toute façon, maintenant que j'y suis, on va faire la TP. Sauf s'il nous dit, vous avez encore une mission secondaire. Une quête disponible encore, c'est une blague. Eh ben, faut faire demi-tour. Non, non, en fait, tu reviens ici, c'est à la relance. Donc on va pouvoir squatter et finir ça. J'allais dire, faudrait que quelqu'un reste là-bas, mais non, parce que j'ai peur que ça ne déclenche pas. En fait, t'es obligé de quitter la maison pour qu'elle mette son petit papier. Dans la logique des choses. Ah bah, si on peut tout torcher, ça peut être pas mal, hein. Par contre, la nuit, ça a quand même une autre saveur, le jeu, hein. Oula. Attendez, je peux tester. Je vais tester ma clé mort. Vas-y. Oups. Wouah! C'est lent, mais alors c'est ça fait mal. Il y a écrit de violence.
Elle fait des dégâts, des bonus de dégâts. C'est quoi cette fois-ci? Une lettre. Ouais, ouais, comme d'hab. Faut apporter du tumulte. En fait, alors attends. Tac. J'en ai pas, ça. Le sceau de Francesca veut 5 échines infectées. Ah ben on les a pas. Alors attendez. On va pouvoir les faire. On va aller dans... Je les ai. Tu les as? Ah bah... Oh let's go, ça fait que c'est moi depuis tout à l'heure qui ai mis des objets? Pour tout le monde. Non, j'en ai mis aussi tout à l'heure. Oh nice. Je pense qu'on a mis chacun une partie tout à l'heure. Bah ouais, en ce cas on revient. Hein. Francesca, on va te farmer tes grands morts. Jusqu'à un moment on pourra plus parce qu'on aura plus... Tout le monde est sorti. On dirait vraiment la meuf de Jumanji 2 là. Pourquoi on saute comme des cons? Je sais pas, tout à l'heure c'est comme ça en fait. Et en gros, plus je sautais comme ça, plus j'allais loin et genre je faisais des bonds de 5 mètres. Ah ouais? Comme ça je me suis glitché dans le mur. Ah mais c'est ouais, c'était peut-être un bug, t'as fait un speedrun sans le vouloir. Bah, je pense que ouais, c'était du glitch dans le concept. Attends, ça sauvegarde. J'ai fait un truc. Non, y'a plus cette fois-ci. C'est bon, on l'a bien farmé sa race. Bon bah Venice Beach. Eh ben c'est parti, Venice. Oh Venice. Venice Beach. Venice Beach. Venice Beach la pizza. N'importe quoi. Bam, le junkie, un marteau dans la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'ai le gars qui a été manger sur tout le corps et qui a un couteau de chasse dans le crâne. What the fuck? Bah c'est bien, on peut reprendre les objets en boucle ici. Ah ouais, ça a trop bien marché l'enregistrement. Alors. Des choses intéressantes au market? Rien on du a tout. Pas les mêmes choses, donc ah, il y a un marteau à viande. Devoir, hein. Ouais, c'est non, mais moi j'achète rien. Le Blue Crab est plus un general store. Bon, bah allez, entrez dans la zone militaire, c'est parti. Ah, l'assaut. Hop, de toute façon, on reviendra explorer plus tard. Hein. Ouais, mais j'ai pas le temps de. De quoi ? Vous êtes déjà parti. J'ai tapé le vide. Mais elle arrête de reculer, l'autre là ! C'est un sniper, un sprinter. Ouais bah c'est plus rien du tout. Bien qu'elle m'esquive le premier mais pas à tous les coups, abusez pas. À tous les coups l'on gagne. Hop. J'ai coupé les jambes juste par vengeance. Bien joué. C'est le beau genou. C'est le beau jeu. Ah j'aurais dû fabriquer des munitions, je suis vraiment un trou de balle. Eh ben tant pis. Une hurleur. Aïe. Ça ouais, j'arrive. Elle a mes cheveux. Un plan. Elle a les cheveux de mon perso, enfin elle avait. Avant d'être pacifié. Non mais il y a plein d'objets là. Eh mais, il est pas avec nous lui. Ça dégage. Attention. C'est rare quand je lève mon épée et que quelqu'un pousse le mob devant moi. C'est Cédric, le voleur de mob. On t'a vu. Oh, il a pas fait long feu lui. Scapouette. Oh, un explosif. Au revoir. Bisous. Hop là, le décor qui s'est vengé. Salut le traînard. Hurleur encore. Oh bah. Il a pas le temps de faire grand chose. Cédric il est là. Elle est morte. Oh, tu lui as mis ses grandes cacahuètes. Tac tac tac. Pas les trucs violets, là, c'est poumons. Poumons qu'il nous faut. Ouais, moi aussi. T'as eu le poumon. Eh oui. C'est mais par là la base. Hein. Bien dé ma bande. Oh un explosif. Ouais.
Au revoir. Oh, un katana violet, let's go. Ah, c'est pas mal ça. Désolé, j'avais eu avant. J'en ai plus, j'ai plus de matériaux. Oh, j'ai un mec là, y'a un nom. Ah oui, Roach. Papa Roach. Papa Roach. Des clés. Les clés de... du gangrene. C'est le truc de ganja là. C'est juste à côté. C'était dans une rue. En face, plus loin. Plus loin là-bas. C'est en vers montant. Ouais, c'est plus loin, c'est quasiment vers le bord. Ah, là-bas. C'est vers la tatoueuse. J'arrive. De toute façon, c'est simple, il y a un panneau dessus. Vous allez où? Bah, on dessus. Ah. Vous voyez plus, vous entendez plus. Allez hop, ça dégage. Un gros hein, sur la droite, attention. Ah oui, celle-là, bien joué. Gangrene. C'est ce que je disais, je pense qu'il y a un moyen de grimper tranquille là-bas. Par le tour, là, non? Oh, il y a un gros musclé enflammé. Déni. J'arrive, c'est juste que j'ai du gaz dans la gueule, moi j'arrive pas à comprendre. Oh, je l'ai coupé en deux. Oui, musclé parce c'est que ça par donne là. Des bons trucs, ça. Il est mort. C'est là. Attends, où je suis derrière. Attends, il y a du musclé qui donne du loot, doudou. Clé de la porte de gangrene. Pourquoi je l'ai pas? Pof! Ah bah ça m'a pof dans la tête aussi. Bah oui, je sais, une trousse de soins. Oh merde, j'ai pas le temps de me soigner. T'es encore plus foutu dans la tête. J'existais, chef. Merci. Oh la pauvre, ça l'a poussé. Ouais, je disais, il y a une porte ici, mais je peux pas l'ouvrir. C'est marqué clé de gangrene, mais je l'ai pas. Bah c'est pas toi, je pense. Non. Bah. Attends, Cédric essaie de l'ouvrir. C'est toi qui a ramassé. Non, je peux pas. Non plus. Objet à collectionner. Ah, il nous restera deux missions avec la meuf après les hurleurs de Beverly. C'est encore une unité, ne m'intéresse pas, il faut les décapiter. Art corporel. Attendez. Coup, elle est avec elle. On la voit où? Dans inventaire, ouais. Dans clé. Et... clé du coffre de gangrene, ok, c'est pour ça. Une clé d'un coffre-fort appartenant au personnel d'une boutique à Venise. Elle est attachée au porte-clés. Blablabla. Ouais, donc il faut d'abord l'autre clé. Ils ont des trucs dans le mauvais ordre. Oupsie. Bon bah... wow. Oh, attendez. Primer. Éclateur. Double éclateur. Oh, avec le katana, j'ai dégommé. Oh, une clé mort violette. Let's go. Bien joué. Hurleur. Ouais, c'est bon, elle est morte. Allez, un petit poumon. Yes, un petit poumon. Ouais, allez, j'en ai eu un. J'attends. Ah, mais c'est tout. Égal. Oh, je suis dans la merde. Vous voulez du zombie? On a du zombie qui arrive. Ouais. Livreur Hit. Oh, y'a un mec là, Jake Jones. Je suis pas avec toi, j'ai une lame chuchoteuse violette. C'est vrai que ta vie. J'ai les trous de la glacière de Monsieur Muscle. Ah, je sais pas où t'es, Cédric. Ah, c'est. Juste mais là. On sait pas où t'es. Là. La glacière de Monsieur Muscle, c'est vers ah, là oui, où okay. Il y a le endroit où on doit aller, justement. Ah, on fait de la place un peu là. Espèce de camion de glace qu'il y a au bout vers les trucs explosifs. Pof. Ah oui, derrière nous, ouais. Oui. Il est mortel, lui. Ça dégage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté des trucs à récupérer, c'est ça?
Un sac de contaminé. La clé du coffre de Monsieur Mus. On verra en face. Non, vous avez tué un hurleur que j'ai pas eu, c'est ça? Non, c'est pas un hurleur. Ouais, vous avez tué un hurleur aussi? Non, non, c'était une question. Non, t'étais avec moi, avec moi, Robin. C'était avec toi, le hurleur. Ah merde. Ouais, c'est un micro lag. Je sais plus, du coup, il était vers le camion blanc, normalement, le hurleur. Attention! Ça remonte déjà à 2-3 bonnes minutes. Ah, c'était moi qui t'avais tâteau, je l'ai jeté, j'en ai eu. Bon bah. Ah, là! Moi, j'ai des sacs ici que j'avais pas pris. Ah bah, c'est ça. C'est... Ah oui, Alia, Cher et Chine. Ah, il y a l'échine que Sakel a posé. Échine de porc. Eh, hey, il y a des kanji. C'est le salon de tatouage. Ah oui, il y a des camions de glace. De la glace ou pas? Oh non. Ah, un burger, je veux. Donnez-moi le burger. Burger, nachos, wings, tacos, hot dog. Ah oh, ouais. Tout ce qui me fait bander dur. On va où là? Pourquoi on te suit, Sakel? Tu pars où? Bah on va au Monsieur Glace là. J'ai eu la clé du Monsieur Musque là. Du Monsieur Musque? Il doit être par là normalement la clé. Je m'en rappelle pas donc je... Ah oui, la glacière. Oh, vous êtes trop fort. Masse d'impact. Violette. Niveau 21. C'est bien ça. L'âme chuchoteuse. C'est quoi, elle te raconte des secrets, non? Qu'est-ce qui se passe? Moi qui tue les zombies. D'accord. Ouais, elle fait du bien la masse impact. En plus, elle a déjà un mode. Pof. Ah bah. À la gueule. J'ai tombé par terre. Magnifique. Elle est violente son dos, hein. J'avoue. Bon bah pour le coup on continue la mission. Allez. Allez, un traînard, on va lui mettre un coup de masse d'armes, ça va le calmer. Wouh! À toi. T'inquiète, j'en fais mon 4 heures. Les jambes. J'ai mis un coup de masse. C'était un hurleur? Non, c'était pas un hurleur, c'était une normale. Ah. Une coup de masse. Un gros copain. Il y a un gros là. Il y a deux gros et un. Et hop, pof. Ah, ça marche pas comme je pensais. Oh oui, bien joué. Il a littéralement. Attention! Oh bien joué, on peut charger un coup avec elle maintenant. Avantage en nature. C'est ce que t'as eu. Terminé 5 défis de plan. Oh, j'ai eu en lançant mon arme. J'étais là aussi, hein, merci. Je crois que j'ai eu un pistolet à clous. Ah, lui par contre il va nous emmerder. J'ai eu la vésicule minière. Là il y a du monde, hein. Bah. Il y a un musclore. Ouais. J'ai enlevé le truc pour attirer les petits parce que pour l'instant, en vrai, on a plus de groupes de petits en ce moment. Au fond, il y a une crieuse, une hurleur. Pof. C'est tout. C'est terminé. On a des poumons ici. Ah non. Pas forcément des poumons, hein. Ça dépend des personnes. Ouais, c'est ça. Y'a quoi ici? Ouh, ah, là, c'est fermé. Là. Bon bah c'est par là. Ah non. Ouais. J'avance tranquillement par la plage. Hein. Oh, t'es envolé? Ouais, j'ai mis un coup de mitraillette. Enfin, je me crave des munitions. Pourquoi vous partez par là? Parce que la mission est là. Moi je viens là-bas aussi. La mission c'est est là. C'est là où on c'est est. Bon, c'est là, c'est là. Oh, je l'avais pas vu. Oh, tu l'as. C'est bizarre, pourtant on avait une zone militarisée. Non, c'est pas là. Attention!
Je me suis trompé de touche. J'ai eu. Ah dommage. J'ai vu que c'était le truc anti-flamme. Paf. Merci. De rien. Mais toi t'as le chic pour te jeter dans nos trucs hein. Mmh. Attends, on attend Julie. Utile. Joue à la bourre. Bah ouais. C'est pas dans les matchs, on est pas dans les matchs. Putain mais c'est pire. Ah, okay. Quarantine corridor to the lifeguard tower. Lifeguard tower. Mais je propose loop, qu'on fasse bien ouais. Le tour avant. Il y a le bateau, on peut aller dans le bateau là-bas, je crois. Hein? Ah oui. Il y a des coffres, par contre, j'ai des putains de mini lags, ça me casse les pieds. Requis, courant électrique. Attends. Ah, fusible. T'es où? Attends, mais on sait pas où t'es. Tu disparais. Ah oui, d'accord, ok. T'es là, sac ou pas? Je suis en train d'arriver. Bah, depuis une épée tactique. Oh, en violet. Je sais même plus pourquoi on dit violet maintenant, c'est violet. Oh non, j'ai les lames croissantes. Il a mangé des croissants. Bah, son composite. Ah, on peut passer par au-dessus là. Ah bah ça nous fait revenir au début. Porte ouverte. Ah non. Mais Zakel, elle ne nous suit pas du tout en fait. En fait vous allez trop vite, moi j'étais en train de récupérer le loup. Bah je suis sous un coup hein. Bah oui, bah je dis plus rien s'il va à toute vitesse, notre patate là-bas. Bah si il arrive à me suivre Romain, c'est que toi qui es trop lente. J'avoue. Bah non, c'est parce que j'étais pas au même endroit que vous. Moi j'ai découvert d'autres trucs là-bas. Vous allez me suivre et vous êtes trop lent après. Carte magnétique de la bidule. Ah oui, c'est pour faire le tour. À partir du moment où on se sépare, c'est logique qu'il y en ait qui soient pas à côté. Moi je vais aller dans le bateau. Vas-y, je te suis. Ah bah. On trouve pas au moins une caisse d'armes ici, franchement. C'est que c'est de la zob. C'est de la zob. J'avoue, oh, c'est de la zob. Bah c'est de la zone hein. Ouf. Pourquoi ce bateau caca là? Ouais, il y a petites... la zone militaire hein. Il y a des petites bricolettes mais bon. Oh il y a un autre bateau. Pas de quoi se taper le cul par terre quoi. Ouais j'avoue là. Dans le camion. What the fuck. What the hell. Pistolet bleu. Pistolet à gâchette chatouilleuse. Super. Oh, oh mazette elle l'a dit. Si c'est au mazette, sérieusement. Il dit encore mazette. Ton perso. Non mais attends, elle est refaite pour un objet bleu là, tu... Tu rigoles? Oui, bah, on peut le démanteler, donc j'ai c'est de la merde. J'ai à gâchette chatouilleuse. Ah ouais, pistolet bleu nul. Je l'ai aussi. Ça dégage. Je le vendrai moi. Bah, y'a encore un bateau là, hein. Et y'a un conteneur ouvert. Oui, du bateau. Oh mon bateau. Oh mon. Ouais. Attends, on peut aller sur le conteneur. Pour aller dans l'autre conteneur. Habile. Et ben, y'a mes couilles dedans. Pas pour rien. Oh. Moins habile. Oh la méga baise. De ouf. Y'a rien derrière. Bah en tout cas y'a quelque chose qui est sorti du conteneur. Et des grosses griffes ouais. À grou-grou quoi. Ah et dans le bateau il faut faire une For Honor. Faut sauter là, faut faire une Fall Guys. Hop. Parce que For Honor bon. Oui bah je me suis chié. Je peux faire une For Honor. Ça va. C'est comme quand tu fais une Pokémon en sautant sur des champignons. Ou en coupant des arbres, non? Oui, il y a masse matériaux par contre. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais il y a que des matériaux, ça pue le caca. Tout ça oh, pour oh, ça. T'arrêtes, c'est dans le coin là-bas. Et dans le coin. Prochains... Ah, bah voilà! On l'attendait celle-là, bordel! Tout à fait. Ouais, tiens un truc derrière? Ouais, il y a un zonzon. Oh là là, il y a des contaminés hardcore, ils sont derrière vous, les jeunes là. Ah oui. Heureusement que je suis là pour vous protéger. Je vais minecrafter.
Une pioche. Allez hop, ça dégage. Hé hey. Oh, c'est trop bien la pioche. Il y avait quoi au fond? Un corps de pompier. Putain, une fourche bleue là. Moi, c'était du violet. Oula, par contre, on entend beaucoup de zombies de l'autre côté. C'est la masse de zombies qu'on a vu tout à l'heure. La masse zombie, c'est l'Amazonie, hein, pas la masse zombie. Lol. Et là, y'a rien? Bah non. Si, par là, il y avait des petits trucs sur les côtés. Ah oui, une caisse là. Ils ont jeté les murs et il y avait des caisses. Vous avez dit des murs et il y avait des caisses? Un petit gâteau. Bravo. Des trucs. Bah, évitez d'y foutre le feu parce que je sens qu'il va y avoir des zombies et que ça va être une zone de combat. Hein. Oui. Tiens donc, ça alimentait quoi ça? Ici. Bah, on fait la suite? Allez. Non. Tout se ramasser la petite caisse noire à côté? Oh, je déconne, allez-y. Ah non, j'ai pas trouvé. Ah bah. Alors, on a des trous de balles. Faut vraiment qu'on essaie de moins de bêtes des fois. Non, mais on peut pas savoir. Dans les toilettes. On peut peut-être deviner qu'avec une si grosse zone à explorer, il allait avoir besoin d'explorer. Ah, c'est là-bas. Ah oui. Oh, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah bah c'est ce que je disais, c'est là. Mais on a visité là? On a fouillé hein. Ah ouais, on a pas visité là. Fouiller la tente du commandant pour trouver le code. Ah bon bah. Ouais. Vous êtes passé par où? Vous êtes passé par où? Ah mais en sautant oui. Bah oui. Instruction, attendez. J'ai vu qu'on pouvait sauter. Ouais, instruction. Seul l'officier de service peut mettre fin au confinement. Lundi, machin. Faut trouver quel jour on est et on sait quel commandant c'est. J'ai eu un autre papier officier de service du jour et là il y a un autre papier encore. Trouver X. Ça va trop vite là. Ok ça. Mercredi. Il vient d'avoir un séisme confinement activé. Ouais, donc c'est mercredi. Donc c'est bien X. C'est marrant ça. Les tripes de partout. Les TripAdvisor. Ouais, c'est totalement ça. Ah, j'ai trouvé un truc là. Plus belle trip. Plaque d'identité. Ok, c'est qui? Je sais pas, je vois encore. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah là. Non plus. Non plus. Ah, il faut trouver les cadavres. Je peux en cliquer aucun. Là, il y a quelqu'un dedans. Bah là, il y a pas de truc. Non, c'est pas lui. C'est pour lui. Il y a plein de trucs à récupérer là. Ah Benz. Ah mais... Et il a trouvé. Faut trouver la plaque de l'identité du lieutenant pour trouver le code. Donc il est aux toilettes. Il avait le courant. La clé d'une caisse. Il avait la courante. La chiasse quoi. La chiasse. Le caca mou. J'ai pas eu le temps de lire, vous êtes allé bah, mais j'ai rien lu du tout parce qu'on a tout récupéré, oui. Alors attendez. Oh putain. Non, pas trouvé, c'est pas le bon. Il y avait rien à cliquer. Tu es. Il est là, ah bah il était bien dans le chiotte. Alors sa biche, t'es en train de chier. Alors attendez. Deux secondes, on a tout trouvé. La petite musique. Les instructions doivent être appliquées à la lettre. En cas d'anomalie grave dans la procédure d'évacuation, le process de confinement doit être lancé immédiatement au moindre signe d'infection. Le confinement doit rester actif tout au long de l'évaluation des risques et jusqu'à neutralisation de toute infection. Seul l'officier de service peut mettre fin au confinement. Donc après, on a trouvé la liste des jours. Après, il y avait un rapport hebdomadaire. On sait que la dernière entrée, c'était mercredi. Donc ça nous a donné. Après...
En parlant de se mettre plein la gueule, les rations de Californie me restent sur le bide, pas moyen de digérer. J'ai passé ma nuit sur les cabines à chiottes. Donc c'est ce qu'il nous dit où il était. Au dos de la photo, quelqu'un écrit « J'ai hâte de te voir le 28 ». Et la plaque d'identité de Higgins avec les trucs. Alors, on a terminé une heure de gameplay. Bougez pas, bougez pas. On va faire l'outro. Merci d'avoir regardé cette VOD sur YouTube. Merci d'être. Voilà, merci d'être. Ce sera la phrase de la fin de cette VOD. Je vous dis à bientôt, YouTube. Et on se refait, je pense, encore une petite heure de gameplay. Oui, oui, on se refait une petite heure de gameplay. Bougez pas sur Twitch. Et la VOD YouTube, on vous dit à très bientôt. Les bisous. Thank you.